Comme vous pouvez le voir, on a changé de voiture. On a pris la Renault Kangoo, qui est un peu plus vieille. Voilà. Voilà. Et on va vous présenter la clé. Comment on met la clé? Donc voici la clé qui sert à démarrer. Et en fait, ce que nous avons, c'est qu'en fait, on a un problème avec un vieux barillet. Et donc, Barillet. barillet. Et donc, on laisse la clé en permanence dedans. Et on vient juste, quand on doit démarrer, rajouter la partie transpondeur qui permet de démarrer. Sans ça, on ne sait pas partir. Et donc maintenant, ça fonctionne comme une normale. On est parti. C'est parti. On est en fait à 223 000 km cette voiture. Donc tu vois que Encore plus vieille que laquelle. on en a sous le pied, là. Non, elle est étonnante parce que avec une telle longévité, et elle roule très bien. Cette voiture-ci, des problèmes électriques. On a dû remplacer les commandes des phares et des essuie-glaces. Parce que à un moment donné, ça se mettait en route au lieu de se couper, l'inverse aussi. Quand on voulait mettre les feux de route, on mettait les feux se coupaient. Quand on voulait mettre les feux de croisement, c'était les feux de route. Bref, là, il y avait. Tous les contacts étaient mauvais, on a dû remplacer tout ça. Alors quand après on nous a dit qu'on avait un problème avec la clé, on nous a donné un truc pour ne pas devoir tout remplacer ça aussi. Alors moi je propose qu'on va rien dire à ton papa, on va voir s'il va se rendre compte qu'on est venu avec une autre voiture. Juste pour voir s'il va s'en rendre compte. Peut-être qu'il va même pas remarquer qu'on a changé de voiture entre les deux. Entre les deux passages. Ici? Je veux être ici, non? Ah, monter directement? Tu veux que je me mette derrière le caddie? Oui. Il faut laisser la place pour passer. Alors ici, il faut faire attention. Le frein à main n'est pas automatique. Il faut le mettre à la main. Et ça, c'est un super frein à main. Il est très facile à mettre. Vas-y, essaye un peu de le mettre, toi. Tu arrives à l'attraper? Parfait. Et alors, cette poignée, comme ça, c'est vraiment très très pratique. Ça marche très très bien. Et maintenant, je coupe. À mi-chemin, je retire un peu la clé. Et